Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC The Darkest Shore. Donc le premier tuto que je vais vous présenter c'est tout simplement comment activer l'électricité car vous en aurez besoin absolument pour tout simplement faire la suite du secret et débloquer toute la map. Donc vous pouvez voir que ici l'électricité est nécessaire. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller que dès que vous sortez du spawn, vous arrivez ici, vous ouvrez cette porte-ci, vous allez directement à gauche, vous n'allez pas à droite mais vous allez à gauche, vous ouvrez cette porte-là et là directement vous allez avoir le premier générateur qu'il faudra activer. Donc ça ressemble au même qu'il y a dans The Final Wedge mais par contre là vous n'avez aucune limite de temps pour aller allumer le deuxième. Donc le deuxième se trouve justement là où il était marqué qu'il vous fallait le courant nécessaire pour y accéder. Donc là je vais passer par l'endroit où je vous avais dit que vous ne pouvez pas passer. Donc, qui est juste ici, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, voilà, juste ici. Donc, la map n'est pas très compliquée, mais voilà, c'est sur 3 étages, donc il va falloir s'y retrouver un petit peu. Donc là, j'ai ouvert la porte qui ne voulait pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et ici, il se trouve un deuxième alimenteur qu'il va falloir aussi activer pour alimenter toute la map. Et pouvoir faire la quête principale et le secret si jamais vous désirez faire le secret. Donc voilà, ici vous activez le deuxième panneau d'alimentation. Et voilà, ce tuto se termine là car il n'y a pas 3 panneaux, il n'y en a que 2 à alimenter. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.